Ici Marie-Louise Arcelot, bienvenue à cette édition de Plus on est de fou, plus on lit en version de 120 minutes, une émission qui vous parvient en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs. D'abord Rachad Antonius, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Bonjour Rachad. Bonjour. Et Samir Saul, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Bonjour Samir. Bonjour. Alors messieurs, vous avez lu pour nous tous les deux The Age of Jihad de Patrick Coburn, journaliste au quotidien britannique The Independent. Son plus récent article d'ailleurs, publié il y a 23 heures traite de cette fameuse évacuation des civils à Alep avec Robert Fisk, Samir et Rachad. On dit que c'est l'un des plus grands journalistes de terrain au Moyen-Orient. En quoi sa vision de la guerre à l'Irak, dont il parle abondamment dans cet ouvrage, et la guerre civile en Syrie diffèrent des discours officiels propagés par l'Occident, Rachad euh, Radicalement. qu'il ouais. commence par comparer, par exemple, la, euh, Alep et Mossoul. Alep, cette semaine, il y a eu 300 civils ouais. qui, ont été, euh, qui sont morts. À Mossoul, 600, le double, mais à Mossoul, ils sont bombardés par nos amis. Mmh. Donc on ne parle pas des civils, on dit que c'est l'État islamique qui est responsable, alors que Assad, dans le cas d'Assad, on l'accuse, et on ne dit rien des bombardements quotidiens de, des dits rebelles sur les civils oui. qui sont de l'autre côté. Oui. Il y a une, une mise en scène euh, 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 horrible de ce, de, qui renverse. Tout ce qui se passait Et tel. qui est beaucoup plus complexe et ambigu, euh, Samir Saul, que ce que les médias veulent bien en rapporter, hein, depuis des semaines, depuis des mois d'ailleurs. Totalement. Ouais. C'est exactement la, la différence entre Cockburn et, et les, les autres, disons, journalistes qui acceptent un peu ce, ce qu'il dit. C'est que Cockburn euh, nous, pr nous présente ce qu'il voit, pas ce qu'on lui dit qu'il doit voir. Voilà. Euh, ce qui est très différent. Et c'est euh... pourquoi son travail est essentiel. Merci, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Le 2 décembre dernier, le journaliste britannique Patrick Coburn publiait un article dans le journal The Independent intitulé « Why everything you've read about the wars in Syria and Iraq could be wrong ». Pourquoi tout ce que vous avez lu sur les guerres en Syrie et en Irak euh, pourrait être euh, euh, tout à fait faux. Euh, Coburn, 66 ans, qui travaille depuis 37 ans sur le terrain au Moyen-Orient, vient de publier un livre intitulé « The Age of Jihad » qu'on lu pour nous Rachad Antonius, professeur au département de sociologie de l'UCAM, et Samir Saul, professeur au département d'histoire de l'université. Euh, de Montréal, messieurs, euh, il est question entre autres du Yémen dans son ouvrage, mais on va se concentrer à votre suggestion, Rachad Antonius, sur sa vision de la guerre à l'Irak menée à partir de mars 2003 par une coalition là, euh, menée par les États-Unis et la guerre civile en Syrie qui a euh, qui s'est amorcée en mars 2011. On le dit en ouverture d'émission avec vous deux, sa vision est fortement différente, un peu comme celle de Robert Fisk, d'ailleurs dont il est un collègue euh, au journal The Independent, différente de ce que peut rapporter les médias occidentaux à l'égard de ces guerres. Pourquoi, Rachad, il rapporte les faits avant tout. Hein. Il est là, il est présent. C'est pas juste une question de vision, c'est une question de fait empirique. Il a les bons faits empiriques et il a aussi la perspective qui lui permet de les comprendre. Il a été sur le terrain. Quand on lit ce livre, page après page, mmh. on voit et il le raconte. Il dit, mais on a dit ça aux au, au responsables américains. Ils ne voulaient rien savoir. Et puis au début, il y a des, il y a des étapes. Au début, ils ne voulaient rien savoir. Après, ils ont commencé à comprendre, mais ils n'étaient pas trop sûrs. À la fin, ils ont bien compris, mais ils s'en foutaient parce qu'ils avaient leurs intérêts. Mmh. Sur les questions du proche-Orient, ils démontrent une chose c'est que les politiques de l'OTAN, mais surtout des Américains et des Britanniques, sont des politiques coloniales classiques. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, aujourd oui. et oui. que les médias font. Pas leur travail les grands médias euh, on a juste qu'à qu voir et il en parle oui. la façon dont on a traité le, la question de d'alep euh, ces, ces derniers jours on est dans la désinformation la plus totale alors que l'information existe. Mais il faut sortir des grandes agences euh, occidentales, Officiel. officielles, et, oui. et aller voir ailleurs oui. d'autres oui. sources. Qu'est-ce qui n'est pas raconté sur ce qui est en train de se passer à Alep, Samir Saul? On disait Robert Fisk euh, dans son article publié le 13 décembre, où il racontait, par exemple, les actions des rebelles, qui sont, euh, disons, diffusées par les médias officiels, les grandes agences, comme étant, disons, les bons dans cette histoire. Or, comme le démontre Robert Fisk, on est Loin de la réalité. Qu'est-ce qui est, qu est pas raconté sur ce qui est en train de se passer en Syrie Tout, tout. C'est-à-dire que euh, <coughs> le, le, la vision officielle est une sorte de grand mythe, une, un, une fable euh, qu'on a construite avec le temps et euh, qu'on a répétée à satiété dans l'espoir qu'elle s'impose comme étant la seule possible, mm -hmm. la seule vérité possible. De sorte que lorsque quelqu'un va sur le terrain ou voit des choses qui sont différentes, on, demande, on se demande pourquoi euh, il est excentrique, il est bizarre, il est étrange. En fait, il voit la réalité. C'est qu'actuellement, sur le plan international, les, les conflits sont recouverts d'un écran de fumée, d'une toile euh, pour essayer de, 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 de créer une image, une impression. On vient de parler ici de la, de, de, de la vie d'Obama, euh, ouais. euh, où l'on parlait qu'il fallait raconter, il fallait dire des choses positives. C'est exactement ce que font les fabricants d'opinions concernant les, les questions internationales, notamment au Moyen-Orient. C'est-à-dire créer une impression, une image ou une, une, un film, où il y a des beaux et des méchants. Mm -hmm. Donc, Tout est simplifié. Concrètement, c'est le régime Assad et les Russes qui sont du côté des mauvais. Des les méchants, et des 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 méchants monstres, et oui. les rebelles qui sont du côté des bons. Donc, oui. on ne doit jamais les écouter. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Oui. Alors, de, de, ce qui veut dire que quelqu'un qui veut examiner la réalité ou la situation est prévenu à l'avance qu'il ne doit pas croire un point de vue et qu'il ne doit croire que l'autre oui. seulement. Oui. C'est la seule vérité possible. Alors ça, c'est très important dans la manière de créer l'opinion c'est de matraquer, de répéter constamment euh, une, 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 un conte, un conte de fait. Tout est simplifié, tout est réduit à l'émotion. Mm -hmm. euh, le bon et le méchant. Et l'émotion, c'est regardez, il y a du sang. Par conséquent, c'est mon ennemi qui est responsable. Oui. Il faut faire quelque chose contre lui. Oui. Je, je, Donnez-moi l'autorisation de bombarder. Alors que les rebelles commettent des exactions aussi, des, des bombardements de civils aussi. Terrible. Tous les, les jours, mais, les soi-disant so 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 ouais. rebelles ne sont pas des rebelles, ce sont des djihadistes. Mm -hmm. C'est l'équivalent de l'État islamique, Daesh. À, à l'ouest de, de la Syrie. C'est la même chose. A, Il n'y a aucune différence. On les a renommés. On leur a donné, les Américains leur ont donné un nouveau nom, une nouvelle organisation pour les, pouvoir les étiqueter de rebelles modérés. Mm -hmm. C'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. Ils ont la même vision du mm -hmm. monde. Alors, je voulais donner un exemple de ce que dit euh, avec avec la question de la désinformation totale. Vous savez qu'on on, on a beaucoup parlé des attaques aux au gaz chimiques euh, et, et Barack Obama avait dit, justement, il y a une ligne rouge s'il y, oui. y a des attaques on au lui a beaucoup gaz. Là, rapproché d'ailleurs. Pas... Oui. oui, mais là, le MIT. A sorti en 2014 déjà une étude qui démontrait que la plupart des attaques au gaz serein, y compris la grosse de Ruta qu'on a attribuée au régime, étaient faites par les rebelles. Et il y a une analyse, et ça c'est le MIT, c'est des scientifiques qui mm -hmm. ont analysé la portée des. Des roquettes, ils ont analysé le type de gaz et, et ça, personne n'en parle. Et c'est documenté. Vous, et je, faites juste chercher sur l'Internet, vous allez trouver. Oui. Est-ce que le problème n'est pas lié au fait qu'à l'origine, la guerre à l'Irak a été justifiée par un mensonge, Rachad et Samir? C'est-à-dire que, souvenons-nous que George Bush euh, justifiait sa volonté d'aller faire la guerre à l'Irak euh, par le fait que probablement Saddam Hussein possédait des armes chimiques. Or, c'était faux déjà à l'époque et peu de médias exposaient la réalité déjà là, il y a 13 ans. Euh, ben, tous les oui, médias ont embarqué. Ils ont embarqué avec cette, cette, ce, ce conte, cette fable, à l'effet que l'Irak avait des armes de destruction oui. massive. C'était un méchant qu'il fallait aller abattre. Ça fait partie justement des problèmes euh, en matière d'analyse des relations internationales aujourd'hui. Oui. C'est que tout ce qui nous vient est orienté. Il est orienté par le pouvoir. Le pouvoir détient l'information, c'est lui qui crée l'information et la, la tourne dans un sens qui lui est favorable. Les États-Unis et, et l'Angleterre avaient décidé d'attaquer l'Irak et d'envahir l'Irak. Alors il fallait trouver une justification. Auprès de qui Auprès de l'opinion publique occidentale d'abord. Parce que c'est elle qu'il faut convaincre que c'est une bonne chose. Parce que normalement, si on leur disait, on va aller attaquer l'Irak, occuper l'Irak pendant quelques années, l'exploiter, etc., l'opinion publique dira mais non, c'est la folie, ne le faites pas. Alors, il faut trouver une justification qui passe dans l'opinion publique occidentale, c'est-à-dire que nous sommes menacés, nous sommes menacés par un méchant qui a des armes terribles qui vont nous atteindre. Ah, par conséquent, l'opinion publique devient finalement c'est très dangereux. Oui. Tout ça, il faut faire quelque chose. Oui. Mais tout est mensonge, tout est mensonge. Mais tout est une construction narrative de l'ordre Hollywood. Là, il y a Darth Vader. Il faut battre Darth oui. Vader. Mais exactement. Oui. Regardez, regardez oui. les soi-disant rebelles, les djihadistes. Oui. Ce ne sont pas simplement des combattants ou des terroristes ou qui, des gens qui, qui utilisent des armes. Ce sont des metteurs en scène. Ils sont excellents en matière de, de, de préparation de vidéos, de propagande, d'usage de ouais. ouais. des, 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 des réseaux sociaux, ouais. d'usage de l'internet, etc. Et ça fait partie c'est très important de rallier l'opinion publique, euh, euh, surtout occidentale, ouais. en lui faisant croire que c'est une bonne cause. Il oui. bon y a des mécanismes pour que, pour que ce message passe. Alors, vous vous rappelez en 91 l'histoire des incubateurs oh, on Yémen, on oui. euh, non, on, euh, Au Yémen, absolument. Non, couette, au Koweït Au Kuwait, pardon, pardon. On a appris par la suite que c'était une véritable mise en scène avec une firme de relations oui. publiques, avec la fille de l'ambassadeur du Koweït qui jouait le rôle d'une infirmière qui Ouf, était sur place, alors qu'elle n'est pas là. Et tout ça, c'est documenté. On n'est pas dans la théorie du complot, Là on parle de choses documentées. En 2003, il y a eu l'affaire de... Des armes de destruction massive, oui. supposément. Là, ils ont pris leurs précautions. Alors, ils ne font plus ça de façon amateur comme les dernières fois. Ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle les casques blancs. Les casques blancs qui passent pour un groupe euh, d'aide humanitaire de première ligne qui les, les usines, l'on souvient, c'était eux. Non, non, ça. pas les casques bleus, là. les casques blancs oui, sont les, 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 blancs, les humanitaires, oui, oui, les secouristes. Et, oui. et leur fonction première, on voit qui les finance, leur fonction première est de fournir des images. Alors quand le gouvernement syrien mm. a envoyé un convoi, un convoi du Croissant Rouge syrien, donc un convoi syrien gouvernemental pour aller aider les gens et que ce convoi a été bombardé, les casques blancs ont dit, c'est les Russes qui l'ont oui. bombardé. Et on les a pris au mot. Ils n'avaient aucune preuve. Oui, mais ils font un vrai aussi travail. Euh, Sauf que eh oui. On a parlé ici d'un texte sur justement une équipe de secouristes où on voyait qui mettaient leur vie en danger, qui secour... qui tiraient oui, les gens des tirs, débris. Bien sûr. Donc, ils et absolument. Et... Ils tirent des gens des débris. Il y a des gens qui croient Donc. et qui, qui s'engagent dans ça. Mais la fonction première, on regarde qui les finance, qu'est-ce qu'on fait avec les images, toute la campagne pour leur donner hum. le prix Nobel, c'est avant tout pour donner des images d'un très haut niveau de cette sophistication qui va permettre qu'on bombarde. C'est difficile de ne pas être instrumentalisé dans ces conflits au Moyen-Orient. En quoi cette euh, représentation de la guerre a changé? Parce que, vous dites, ouais. euh, les journalistes sont aux mains euh, des différentes forces en place, la force occidentale, euh, forcément. Euh, en quoi c'était différent dans le cas de la guerre du Vietnam, par exemple, euh, Samir? Qu'est-ce qui a changé? C'est beaucoup moins sophistiqué. C'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, c'était simple, du genre euh, nous combattons le communisme ouais. hein, et nous nous sommes les meilleurs parce que nous sommes le monde libre. Bon, euh, C'était assez, assez euh, élémentaire, aussi, assez euh... élémentaire ouais. et très, très simpliste. Ouais. Aujourd'hui, on monte une, 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 un récit, un narrative. Le narrative, c'est exactement ce que la manière de faire la politique et les relations internationales aujourd'hui. Ce qui se passe réellement sur le terrain, ouais. on n'en parle pas. Mais on crée une, une, une sorte de, 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 de récit, d'histoire qu'on raconte à l'opinion publique, à l'effet qu'il y a du bien et du mal le bien c'est nous le mal c'est les autres toujours et tout est réduit à des, à des, à des incidents sans explication de la politique générale. Mmh vous avez remarqué dans la discussion aussi, on parle des secouristes, on parle des bons. Oui. Et alors, on a perdu de vue, et on, on ne veut pas parler justement de l'objectif de la politique générale, euh, disons, occidentale, américaine, dans, dans la région. Oui. Parce que ce sont des sujets qui ne sont pas très beaux. Oui. Alors, on parle plutôt de, de, de détails, de, de, de qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est fait exprès. Parce que dans, dans ces cas-là, on peut dire, mais ça, est, il est bon, il est méchant. Lui, il est bon, l'autre est et méchant. On aussi, et on espère aussi, évidemment. C'est que Cochran dit, dans, dans, oui. il utilise une métaphore, il dit... Tout ceci, je souscris à ce que tu dis, Samir, mais c'est compliqué par le fait, par la vraie complication locale. Alors, en quoi elle consiste? Il dit, c'est comme si vous aviez une, une partie d'échecs à trois dimensions avec neuf joueurs. Il y a, il a dit, huit guerres simultanées qui se passent mm -hmm. entre, entre l'Afghanistan et, 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 disons, l'Afrique du Nord. Et une des choses qu'il dit, c'est que, et ça, il l'a très, très bien dit, c'est qu'il y a souvent, comme Beaucoup, dans beaucoup d'autres classes, il y a des petits groupes rebelles contre un gouvernement. Mais dans le cas de toutes ces guerres, il y a toujours quelqu'un, une puissance extérieure, qui peut armer et financer les petits groupes rebelles quand ils sont sur le point de perdre. Et donc, on relance la guerre à l'infini. Et cette idée de créer le chaos a même été théorisée par certains euh, analystes américains qui ont. Utiliser le concept constructive instability. Mmh. Nous allons créer le chaos pour pouvoir réorganiser les choses à notre avantage. Alors il y a de vrais problèmes, mmh. il y a des minorités politiques, ethniques, religieuses qui ne trouvent pas leur compte. Il y a du sous-développement, de la corruption, oui. des mafias. Et mais tout ça aurait pu se régler autrement si on n'instrumentalisait pas chacun des petits groupes pour qu'ils sait pour qu'il serve une cause extérieure. Et le jour où on n'a plus besoin de lui, on finance quelqu'un mm -hmm. d'autre. Alors plutôt que les guerres ne se terminent à un moment donné par manque de ressources ou parce que quelqu'un gagne, elles ne se terminent pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va maintenir les perdants. Les remettre sur la map. On voit bien par rapport à ce qui se passe en Syrie, c'est interminable ce conflit-là. Il y a 300 000 victimes, c'est des chiffres non officiels évidemment, dont 16 000 enfants, des millions de gens qui ont été déplacés. Il est question de l'Irak, on le disait. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à l'invasion de l'Irak Il paraît que l'ancien premier ministre Al-Maliki prend pour son rhume le rachat d'Antonius là. Oui. Euh, allez il, allez euh, salut. Coburn est très sévère à l'égard du, du, du régime mis en place par les Américains. Euh, C'est un régime qui a été irresponsable, -ir il a été sectaire. Ouais. Et effectivement, il a, il a affaibli l'Irak face à l'attaque de Daesh. Au moment où Daesh a attaqué le, au, nord, au nord de ouais. l'Irak, ben, les, les Irakiens n'ont pas voulu se battre pour ce régime. Ils sont, ouais. Daesh n'est pas si puissant que ça. C'est que l'armée irakienne est, affaibli. est affaiblie. Ouais. Euh, il, y avait pas con... ben, il y avait beaucoup de corruption. Hein, donc, euh, là aussi, il y a un euh, manque, de, manque de, de, de loyauté à l'égard de l'État et de l'armée. Donc, euh, il est très sévère à l'égard de ce régime. Mmh. Et euh, pas seulement les Américains. C'est un le régime irakien oui. qui a été mis en place. Oui. n'a pas été à la hauteur de... Et selon question. Coburn, est-ce que Daesh est une conséquence directe de cette invasion de l'Irak voilà. oui. Ce, ce qu'il montre, c'est que euh, la puissance de Daesh est une conséquence directe. Mais oui. Daesh lui-même, non. Ça veut dire qu'il y a des sources local. Il y a... Daesh est ancré dans une culture politique, une certaine lecture de, de, de la religion, de l'islam, qui, qui remonte à, à 12 siècles. Okay elle est ancrée, elle a une base, mais elle n'aurait jamais pu avoir la force qu'elle a sans ça. Et une chose qui est très intéressante oui, dans le il c'est qu'il articule comment les processus proprement politiques de marginalisation politique, d'exclusion de, de certains mm -hmm. groupes, s'articulent avec l'idéologie euh, djihadistes de Daesh pour produire le résultat qu'on a. Et cette articulation permet de comprendre comment ce sont à la fois des facteurs extérieurs et intérieurs qui, et locaux donc, qui, qui interagissent pour produire ça. Il y a des pages, des chapitres très intéressants sur ce que signifie la vie sous Daesh, comment on endoctrine des femmes pour aller devenir... Euh, 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 pour se faire exploser oui. avec des bombes oui. et, des et comment certaines d'entre elles finissent par s'en sortir. C est, c est... Oui. Thomas Leblanc. Mais oui, est-ce qu'il est qu aborde la question de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, qui il est dans la Il en parle oui. bien sûr, mais, est mais il, 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 il est au quotidien, lui il raconte okay, ce qu'il okay. voit, mais il okay. parle, il propose... mentionne les partenaires extérieurs. Ah ben oui, parce que Daesh n'aurait pas pu exister sans l'aide américaine et britannique, mais qui a transité via la Turquie. Sí. Et l'Arabie Saoudite, Saoudite donc, les donc tout le monde est hein? tout le monde est média. L'Arabie Saoudite est, est le, le sponsor euh, euh, en termes financiers et, financier. et idéologique. Oui. Euh, la Turquie, en termes de logistique et de capacité de passer, oui. et l'orientation géostratégique globale vient de l'OTAN. Alors ce livre <laughs> The Age of Jihad de Patrick Coburn, journaliste au quotidien britannique vénérable, quotidien britannique d'ailleurs The Independent, est publié chez Verso. Rachad Antonius et Samir Saul, merci beaucoup de l'avoir pour nous. Merci. Oui. Plus on est de plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault sur Ici Radio-Canada Première.